C'est terrible, mes amis. Nous avons un témoignage d'un bien-aimé qui prie chez le pasteur Massamba là-bas. Éternel. À Éternel, oui. Un grand prisonnier. Et dans la prison, il dort, il le voit en l'emmenant en enfer, là où se trouvait son grand frère, qui était mort, ça ne fait pas des années, en dérogant ton grand frère. Son grand frère dit, mais qu'est-ce que tu venais chercher ici? Et la personne qui le conduit le fait sortir de là et l'emmène pour voir les félicités éternelles. Quand il sort de la prison, mon ami, il est allé devenir chrétien. Et déjà avec des signes palpables. Exact. Merci. La mer pleurera jusqu'à ce qu'elle soit séchée. Oh Dieu! Et le soleil ne brillera plus. La lune ne donnera pas la lumière. Les étoiles du ciel. Alléluia! Les bombes sont suspendues là. Exact. Les bombes au cobalt sont suspendues là. Exact. Une déclaration a été faite maintenant d'arrêter les mouvements interdénominationnels et de s'assembler à une seule grande et importante église évangélique des protestants. Qui coopérera et joindra au catholicisme pour combattre le communisme? C'est l'œuvre du diable. Dieu n'a jamais joint l'État et l'Église. Et Satan. Dieu conduit son Église, il n'accepte pas de dirigeants politiques pour la conduire. J'exige un amen. Dieu n'accepte pas un dirigeant politique de conduire son Église. Il est plus que capable de conduire son Église par des hommes appelés de Dieu. Il n'a pas besoin de la politique. C'est pourquoi le chrétien ne fait pas la politique. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, David est un politicien. Oui, un politicien est permis par Dieu, et toi qui t'es permis. Oui, il y a quelqu'un qui dit, non, mais Salomon, lui, il était roi. Il est roi géré par qui est permis par qui. Et toutes les façons, Israël, c'est la nation de Dieu. Et Dieu l'a choisi. Et vous allez remarquer qu'avant qu'on arrive même, Saoul, hein? Qui dirigeait Israël? Dieu est en train de prophètes. Et lorsqu'ils ont rejeté Samuel, Dieu maintenant a prêché le roi rejeté. Et quand il fait un roi, tu les as quand même donnés, mais il a mis Samuel pour contrôler ce roi-là. De telle sorte quand il a pris la forme de lui, le prophète Nathan, je crois, est arrivé. C'est que tu as fait mal. Est-ce que toi, tu peux aller dire ça chez le président? Tu partiras vivant, tu reviendras vivant. Le système actuel ne permet plus la politique des chrétiens. Amen. Est-ce que les choses sont claires? Ok. La politique actuelle, laissez les politiciens aux politiciens et laissez les chrétiens aux chrétiens. Toute autorité tient de qui? Dieu. Être pasteur, c'est une autorité ou pas? Être président, c'est une autorité ou pas? Mais chacun doit rendre compte de son autorité à celui qui lui a donné l'autorité. Moi, je peux rendre compte à la fin. Lui, il rendra compte à la fin. Barack Obama rendra. Chacun doit rendre compte. Mais ne me déplace pas. Laisse-moi là où je suis. Oh, Jésus. Vous avez entendu ce commentateur l'autre soir, qui vient tout juste de rentrer de Russie. Il a dit qu'ils avaient au moins 10 000 bombardiers qui n'ont même pas besoin d'arrêter pour faire le plein et qui sont dans leur hangar chargés de bombes atomiques. Ça, c'est depuis, je ne sais pas quelle année, 1956. La Russie. 1956. Et qui sont dans leur hangar chargé de bombes atomiques, pouvant voler sur l'Amérique et revenir sans même avoir à faire le plein. Pensez-y, chaque avion transportant au moins 8 ou 10 bombes atomiques. Et à hydrogène, qui pourrait mettre 150 millions de personnes, cette nation à l'anéantissement total à l'espace d'une heure? L'année.
Et elle patauge dans le péché, la corruption, oubliant le Seigneur. Ce sont des choses qui sont contraires à sa volonté. Et riant et se moquant de ceux qui essaient de bien faire. Quand tu essaies d'aller dans une église, le message, les gens se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Ils vont rire de toi. Ils vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la mode dans eux. Parce que tu es un jeune homme qui travaille mais qui n'a pas de copie. Ils trouvent que ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas dans le monde, mais dans la parole, ça existe. Amen. Oui. Un jeune homme comme Jean Alain, n'est-ce pas mon jeune? Amen. Oui. Qui remplit toutes les conditions d'un homme, mais qui n'a pas de copie. Ça, il faut retrouver ça dans la parole. Amen. Et pas n'importe quelle parole, la parole promise de votre jour. Et le monde ne supporte pas ça. Le monde ne veut pas les belles choses. Est-ce que vous me comprenez? Et ils attaquent ça. Amen. Ils vivent dans le mal. Ils attaquent ce qui est bien. C'est ça. Pourquoi? Vous savez, quand quelqu'un vole dans une société et que toi tu ne voles pas, il se dit que toi tu vas les dire. Oui, oui. C'est pas quand quelqu'un vit mal. Il trouve quelqu'un d'autre qui vit mal, il se sent consolé. C'est le jugement divin. Il s'en vient et la Russie est là-bas. Vous attendons. Frère, réalise que 150 millions de personnes pourraient mourir en l'espace d'une heure. 150 millions. Et qu'avant le lever du jour, cette nation entière pourrait être complètement détruite. Que pensez-vous qu'il ne passera pas? Si 10 000 avions chargés de bombes atomiques, si chacun d'eux laisser tomber une bombe atomique ou une bombe à hydrogène sur cette nation, la Terre tout entière serait secouée hors de son orbite. Qu'est-ce que cela entraînerait? L'accomplissement de chaque parole de Dieu qui a dit que cela se passerait. Qu'est-ce que cela ferait? Ceci un jour en autre. Quand la Terre éclatera sous ses bombes, elle s'envolera là-bas dans le soleil. Et la chaleur fervente enroussira le sol. Voilà, on dit,
Le jour que le feu tombe autant de Sodome et Gomorre, il ne savait pas que ce soir, quelque chose devait arriver. Le jour que l'eau est tombée autant de Noé, il ne savait pas. Il vivait comme tout le monde, jouait les jeux de Lido, Zikiwan. Comment ça s'appelle? 2-6, Zikiwan. Comment on carte à mauvaise manière même? Poker, choc. Un chrétien qui sera enlevé dans le jeu de choc, un poker, dans la Zikiwan. La dame. Sikiwa. La bombe atomique attend. Sikiwa. Amen. Les États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir. Quoi? L'Église et l'État, donc Akab et Jézabel. N'oubliez pas, quand les deux sont unis, ils sont derrière Élie. Amen. L'histoire se répète. Amen. Lorsque Rome unit avec les États-Unis, c'est le message. Oui. Faut voir ce soir. Je vous dis ceci. Ces églises-là ne s'unissent pas pour chercher à faire du mal aux protestants, aux catholiques. En fait, ils sont derrière ceux qui croient le message. Je vous dis la vérité. Toutefois, quand on veut fermer les églises, on n'a jamais fermé l'église catholique. On ne ferme jamais l'église protestante. On ferme les églises de mauvais. Fermez les églises. Et ils n'ont pas les papiers. Donc seulement les catholiques ont des papiers. Amen. C'est parce que c'est l'église de l'État. Amen. L'église catholique, c'est l'église de l'État. Si tu veux rencontrer nos autorités dans les églises, n'allez pas dans n'importe quelle église. Si tu veux voir le maire ici-bas, va au centre-ville. Amen. Pas seulement là, comment on appelle ça? Notre-Dame. Tu vas voir. Si je veux voir les préfets, tout le monde, vous, tu veux aller voir là-bas. C'est l'église de l'État. Et quand l'État s'unit avec l'église, l'église impose les choses. S'il dit vous allez fermer les églises, tu vas aller voir le juge lui-même, il est dans cette histoire. Tu vas voir le procureur, il est État. Tu vas voir qui, oh non, mon oncle est colonel, il est colonel de là-bas. Pas pour te défendre, pour défendre leur cause. Toi qui comptes sur les colonels et les généraux, c'est l'heure de compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être ton oncle, mais il a des devoirs par rapport dans leur loge là-bas. Ils ont des obligations. Et ces obligations font qu'ils puissent pas oublier que tu es son neveu. Amen. 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 La société Ambakaga, Baléka, Madame et Madame et Madame. Et mon problème, vous voulez. Tonton! Ah, si tu es tombé dans le chaud, façon la maison qui est une bière. Ça marche. Il n'y a pas de grain, rien. Mais, mon gars, mon gars, mon gars, il n'y a pas de marché qui est dans le comprimant. Oh, monsieur, il n'y a même pas. C'est direct. Tu contactes, tu mets les genoux par terre. Si c'est un homme qui te dérange, ça ne sert même plus de parler, pleure seulement. Au lieu de le prier, toi tu pleures. Et lui va te demander, chérie, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Les larmes là ne coulent que pour m'adorer. Mais je vois que ça coule là pour lui. Qui t'emmène? Qui est derrière ça? Dis Seigneur, tu as dit moi, c'est pas moi de se venger. C'est qui? Je vous dis au nom de Jésus, il y a des gens aujourd'hui sur la terre. Ils peuvent prier, tu meurs. Amen.
Amen. You are not going to think like tu quittes la terre, Dieu dit, l'ambassadeur a signé. Vous savez qu'il y a des choses que les ambassadeurs font et puis ils vont prendre après. Il signe d'abord et il appelle là-bas chez le président. Il dit, président, moi j'ai eu un cas là, mais en tout cas, c'est pas un fraudeur. C'est quelqu'un de correct, il peut rentrer, mais ça lui manquait ça, ça, ça. Allez, comme toi tu es déjà là-bas, tu as signé. Amen. Rentre. Il y a des gens ici sur la terre là, parlez-vous seulement. Il pleure comme vous, il galère comme vous. Dieu l'emmène à un niveau. S'il ne veut pas de la chose, tu arrêtes ça. Oh, amen. Un homme, elle a dit la façon qu'elle a galéré et tout ça. Un être humain. Il fait la joie de Dieu. Je vous dis, vous pouvez vivre de quelle manière? La joie de Dieu, Dieu vous prolonge la vie sur la terre. Parce que Dieu a du mal à trouver ceux qui peuvent l'obéir. C'est pour un et pour une, tu ne chercheras pas les démons. Lui-même, Dieu se chargeait. Tu fais sa joie. Amen. Et cette espèce-là est rare. Et il est en voie de disparition. Et je vous dis, quand elle espèce de Dieu rare, on renforce la sécurité. Amen. Oh, je dis la vérité. Amen. C'est ce que je veux parler en fait. Là, les trop, ça passe aussi trop vite, André. Et moi, je ne m'en pas mettre. Oui. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. J'aime quand il parle comme ça. C'est ce que je veux là. J'ai besoin de rentrer là en fait. Hein? Madame dit, qu'est-ce que la foi parfaite? Mais c'est quoi ce que tu es? Amen. Et Jésus, parlant, les disciples l'attendent. Quand tu parles trop du Père et tout, montre-nous le Père. Il dit, depuis que je suis, il sait de quoi il parle. Quel mot? Hosanna. Il ne sait pas vraiment, depuis que vous ne voyez pas que nous sommes au milieu de vous. Il ne dit pas ça. Quand on veut savoir qui il est, chez ses disciples, il est clair. Donc, depuis que je suis avec vous, et vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Qui parle? Jésus. Si c'était toi, es-tu chrétien? Oh non, hier, quand je suis tombé dans le péché, je ne suis pas chrétien. Mais c'est là le problème avec nous, l'Église, mes amis. Si je vais dire ces choses-là, je vais monter là-haut. Donc, Poutine est en train de parler avec assurance de ce qu'il est. Je vais vous montrer aussi là-haut. Le premier ministre Benjamin Netanyahu, il parle de l'assurance qu'il est juif et que ce pays dans lequel il se trouve, personne ne doit le bouger. Alors, Branham déclare maintenant, quand l'épouse arrivera à connaître sa position, il voit seulement le côté de pleurer, donc l'être humain, la sœur. Mais il s'oublie qu'il y a un autre côté. C'est ça le problème. Il y a un côté dans lequel, en tout cas, maman, l'outil là, il était dans cette île même. Tu cherches comme si à perdre l'espoir. Mais il y a encore quelque chose qui va faire. Est-ce que tu as oublié qui tu es, toi? Moïse se met à crier devant la mer rouge. Il crie, Dieu descend.